Test 1, 2, test 1. Ah, on est en direct, Michel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en direct de la petite chapelle Saint-Georges du château de Windsor afin d'assister au mariage de Charles et Camilla en l'absence remarquée de la reine Elisabeth II qui, je vous le rappelle en euros, fait Elisabeth 0,30. La reine d'Angleterre qui vient de rendre une ultime visite à son grand-fils Charles afin de lui expliquer que ce n'est pas bien de marier une vieille comme Lady Camilla, ce à quoi Charles répond du tac au tac « Fuck you, mother ». Ce qui, je vous le traduis, veut dire « Sauf le respect que je vous dois, mêlez-vous, s'il vous plaît, de ceux qui vous regardent, maman ». Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons assister en direct devant les caméras de l'ORTF à la grande saillie princière. Grande saillie princière durant laquelle Lady Camilla Parker Bowles, misette rouge, toque noire, pantjartel violet, fibrome proéminent et tout ses filets de frais va se donner. À son Altesse Royale, le Prince Charles d'Angleterre, petit inquiet de la couronne, le Prince Charles, string panther et préservatif à tête de Mickey, assorti aux oreilles. L'archevêque de Canterbury, chasuble carmin, pantjartel mauve, goupillon à la main, vient tout juste, comme vous pouvez le voir sur votre écran, de donner le départ. Alors que, à l'extérieur, les caméras d'Alexandre Tartin nous montrent le carrosse agité de soubresauts, apparemment c'est celui de Charles et Camilla, puisqu'on peut y apercevoir, malgré la buée, une paire de jambes bien nées de barésie, largement écartées avec deux grandes oreilles au milieu. Les chevaux piaffent et donnent la cadence, c'est Charles qui exécute une minette royale à Camilla l'insatiable. Le prince en amène à Tom Jones, entonne What's new, pussycat. Lady Camilla s'ouvre comme une orchidée à la saison des pluies. Le prince Charles siffle abattu, fixe sur cette noire testicule décollée comme ses oreilles. On termine impeccable feuille de rose afin de lubrifier de sa salive princière la beauté ouvrage de Camilla. Celle-ci exécute un remarquable volte-face, ce qui permet au prince de faire un aller-retour sur le soissonné rose. Les choses s'emballent, je crois entendre qu'elle réclame quelque chose. Oui, j'entends A 69, en français un 69, vu que, par souci protocolaire, les deux doivent être heureux. Et c'est un très beau double coup de langue sur la grosse veine bleue, fameuse turlute royale, tradition séculaire. Chez les Windsor, que de se faire souffler dans le poireau pour faire bouger les oreilles. Lady Camilla n'en peut plus. Elle clame au effort, Poutinite, mais c'est Charles qui dirige les opérations. Après tout, c'est lui l'héritier du trône. D'ailleurs, tout le monde dans l'assistance se recueille à présent. Et Francis, Michel, Jean-Pierre, je vous invite à faire de même. C'est en effet le moment tant attendu de la pénétration. Ça y est, le prince vient de retourner la bougresse comme un pancake. Il la gratifie d'un majestueux méduse en l'œil de bronze, rouge comme une pivoine, l'œil lubrique, il lui promet « I'll take you without vaseline ». Lady Camilla va prendre du rond comme une reine, mais apparemment il y a un problème, ça ne rentre pas. Lady Camilla est sans doute trop sèche, puisqu'elle crie « Give me the butter, give me the butter ». Mais non, pas le beurre salé, grand con, ça y est. L'archevêque de Canterbury a dit qu'on oublie le prince avec un sac de capoins plumés, un pétard ainsi qu'une bière. La reine d'Angleterre vient de faire son apparition. Inspirée par le tableau, elle a maintenant les glandes qui réclament. Elle demande officiellement au prince consort de la sortir. Take my turkey, dit-elle. Prends-moi le dindon. Son chapeau vient de valser, il est en train de nous défriser le brushing. La reine queen, la queen queen. Alors que le prince William, mesure du garde ouvert derrière une colonne de la salle du trône, est en train de se palucher devant un poster de Britney Spears. De son côté, le prince Charles se relève la truffe en gomme humide, il remet l'aplomb, sa casquette d'officier de la royale ainsi que le stream de Camilla dans l'axe de l'arrêt. Le cortège s'ébranle, moi aussi. Je vous rends l'antenne avant qu'il n'engrenage les royales. À vous, cognac, j'ai, à vous, les